Coucou mes abonnés, ici Léa, pas son cheval et ses sauts. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vais vous présenter comment télécharger les anciens Star Shine Legacy, donc les anciens jeux de Star Stable. Donc avant il y avait que ça, il y avait ça en date de 2008-2009, hein, quand j'avais 8 ans, 9 ans, voilà. Parce que à l'époque je connaissais pas Star Stable là à l'époque, donc j'ai découvert là il n'y a pas longtemps les anciens jeux. Voilà, donc je vais vous montrer comment les télécharger sur votre ordinateur sur Windows 11 en 2024. Donc vous vous rendez, enfin je mettrai le lien en description sur le site Old Game Download. Donc ici il faut chercher Starshine Legacy et vous aurez les 4 d'un coup. Non, pas Star Stable, Starshine Legacy. Voilà. Si je sais écrire, je sais pas écrire, merci. Starshine Legacy. Voilà. Ma recherche montre bien qu'on peut télécharger les 4 jeux d'un coup. Donc, moi, je les ai téléchargés directement. Donc, voilà, vous cliquez sur le premier. Donc, là, c'est le premier, c'est avec Lisa, le mystère des Soul Riders. Donc, vous pouvez télécharger en. Ils disent en anglais ou en français, mais quand moi j'ai lancé le jeu, c'est qu'en anglais. Donc, c'est pas très grave pour la langue, hein. Après. Moi je comprends un peu l'anglais, donc après c'est. Faites ce que vous voulez, hein, mais bon, il n'y a pas d'autre choix. En fait, comme c'est des anciens, on peut pas mettre la langue française. Donc ça reste. Comme c'est des jeux anglais, donc voilà, ça reste la langue d'origine anglaise. Donc c'est pas très grave, hein, pour ça. Voilà, après vous pouvez traduire si vous comprenez pas le dialogue. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi ça va, je comprends anglais, hein, tout va bien. Voilà, donc moi j'ai téléchargé le premier lien ici, voilà. Mais après je pense que les deux liens marchent, mais après moi je prends la mémo la plus grande que la moins grande. Donc voilà. Après c'est comme vous voulez, hein. Mais moi je pense que les deux liens marchent. J'ai testé, les deux ils marchent pour ma part. Voilà. Ensuite vous avez l'épisode 2, donc le Starshine Legacy 2, le secret du manoir de P-Isle. Donc ça c'est avec Linda. Voilà. Donc pareil, hein, vous téléchargez un des deux liens. Moi il marche bien, mais. Je vous conseille de prendre le. Ou qui a plus la mémo. La plus grande que la moins grande, voilà. Ensuite, vous avez le troisième, donc Starshine Legacy 3, la légende de Pandoria. Donc, ça, c'est avec. Avec Concord, donc avec Anne, voilà. Donc, voilà. Comme d'habitude, hein, vous prenez un des deux liens. Hop. Pour moi, les deux marchent. Les deux liens, ils marchent. Hop. Et le dernier, Starshine Legacy 4, l'énigme du noyau sombre. Voilà, donc j'ai téléchargé le dernier hop, jeu. Voilà, pareil pour les deux liens, vous prenez, peu importe, les deux liens, ils marchent, hein, les deux. Comme d'habitude, hop. Donc voilà déjà pour avoir téléchargé, donc en fait, vous téléchargez les 4 jeux. Donc ça va se mettre dans votre moteur de recherche, dans l'onglet téléchargement. Hein, voilà. Ensuite, quand c'était chargé, en fait, vous devez extraire les dossiers. En téléchargement, en fait, vous devez extraire tous les dossiers ici que j'ai fait là, hop. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple du premier Legacy. Vous allez extraire, en fait, vous avez un dossier comme ça, voilà. Et pour, en fait, lancer le. En fait, comme c'est un CD-ROOM, pour lancer le jeu, vous aurez besoin d'une application qui s'appelle Dimental Light, donc c'est une application dédiée pour lancer les CD ROM, donc les vues, les lecteurs. Donc vous ouvrez l'application, je mettrai le lien pour télécharger aussi l'application Dimental Light, voilà. Et en fait, vous devez l'insérer ici dans l'application en fait pour lancer le jeu. Donc en fait, il y aura une installation à faire pour installer le logo du jeu. Et après, il faudra l'extraire avec Dimental Light, donc l'application. Donc là. Faudra l'extraire avec ça, faudra d'abord installer en fait le fichier du jeu et après lancer avec Daemon to Night ici là, présent. On va dire l'installation elle est très rapide pour installer ça, ça prend 2 secondes à télécharger et après vous le lancez avec Daemon to Night. Voilà, c'est très facile à faire. Après vous n'arrivez pas, il y a encore d'autres tutos vraiment, si vous n'arrivez pas avec ma vidéo, il y a d'autres tutos qui présentent comment télécharger aussi les anciens jeux Legacy. Faut pas hésiter surtout. Mais moi, comme j'ai déjà tout téléchargé, ça va directement dans mon dossier. Je peux directement le lancer directement. Voilà.
Hop, et le jeu se lance directement, voilà. Et vous commencez à jouer les 4 jeux d'un coup de Star Chain Legacy. Voilà. Très facile pour installer les applications, les jeux, avoir la nostalgie des anciens jeux et pour vous amuser aussi. Donc voilà, maintenant vous savez comment télécharger les anciens Star Chain Legacy sur votre PC en 2024. Moi, sous Windows 11, voilà. C'est sûr, je ferai des vidéos pour vous montrer des épisodes sur ma chaîne Les Passants sur SSO, comme c'est du SSO, du Star Stable. Comme c'est des anciens, moi ça me va. Pour ma chaîne, c'est parfait. Comme moi, c'est qu'un jeu principal sur ma chaîne, moi ça me dérange pas de tester les anciens jeux. En tout cas, ça peut faire de la nostalgie, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc moi ça me dérange pas. Donc il y aura à un moment donné, vidéo du samedi, des anciens jeux de Star Stable, Star Chain Legacy, voilà, sur ma chaîne. Ou pourquoi pas aussi le faire en live aussi, ça serait incroyable aussi ça. Pourquoi pas, je garde l'idée en tête. Il faudra vous attendre à ces anciens jeux. Et si ça vous dit de tester les jeux, pourquoi pas, vous pouvez tester aussi vous-même. Voilà, tout sera sur ma chaîne YouTube en vidéo. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu, la vidéo tuto. N'hésitez pas de votre avis, ou si vous avez des questions en commentaire, si vous n'arrivez pas à quoi que ce soit, moi je peux essayer de vous aider, de vous guider, vous aiguiller comment télécharger si vous n'arrivez pas avec l'application là, CD-ROOM ou pour comment extraire. Hein. Enfin, après c'est très facile, hein. Pas très compliqué. Voilà. Ou après si vous avez du mal, il faut peut-être demander aussi à vos parents, à un adulte, si vous n'arrivez pas, comment ça fonctionne, tout ça. Pas hésiter. Donc sur ce, moi je vais me poser à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vraiment vous abonner et aussi à commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos ou de live en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye pour de prochaines aventures, bye bye, bisous. Set and draw. I've been down in and out.